mais j'ai essayé d'être honnête, enfin avec le sujet, c'est-à-dire que je n'ai pas essayé de, reprendre ou d'imaginer comment les choses pouvaient être à l'époque. On s'est appliqué à essayer de trouver un imaginaire collectif qui puisse donner une empreinte au film, et ensuite ce sont les personnages qui ont eux-mêmes dicté l'histoire. Il nous est arrivé avec Isabelle, par moments, concernant son rôle, d'aménager les dialogues pour que justement on n'ait pas trop parfois d'emphase verbale ou de phrasé un peu trop travaillé. J'espère que ça ne pose pas de soucis dans le film. I like the character I had to portray. It's the kind of character you have to sort of take out of a caricature and go beyond certain images. An dieser Figur war interessant, dass sie aus dem System von Unfreiheit nicht ausbrechen kann. Sie hat eine Liebe nicht leben können. Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass es eine große Liebe gab in ihrem Leben, die sie nicht leben konnte. Und die musste, die Frucht dieser Liebe war dieses Mädchen. Und deswegen musste sich dieses Mädchen aus dem Herzen reißen, will es eigentlich nicht. Muss es aber trotzdem machen. Eine Figur, die in dieser ungeheuren Spannung steht, von Fassade, von an sich halten müssen, von die Fassade aufrechthalten müssen, von überleben müssen in diesem sehr rigiden System, was ihre Familie bedeutet für sie, und gleichzeitig unterschwellig große Emotionen zu haben, das ist natürlich eine großartige Herausforderung für mich gewesen. Und das war auch das Interessante für mich. Bah, je suis déjà ravie d'avoir tourné avec Isabelle, Françoise, Louise, Martina, vraiment. Enfin, toutes les personnes qui sont dans le film, c'est des personnes qui sont assez incroyables. Ce qu'il y a de mieux pour elle est la sauver, donc j'ai beaucoup d'empathie pour elle, et ce n'est pas de bonté de cœur que je l'oblige à se déshabiller devant tout le monde ou à porter un cilice, donc qui est un mélange de crin de cheval et d'un certain tissu qui gratte et qui doit être porté en permanence. Et c'est en cela qu'elle en est encore plus perverse, effectivement, et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage.